Il y a un mouvement d'intermittents qui est très fort en France, qui commence à prendre beaucoup d'ampleur, puisque le statut de beaucoup de nos techniciens et artistes est remis en question. Et donc on a décidé de leur laisser cinq minutes de prise de parole pour vous signifier notre mécontentement et merci de votre soutien par rapport à cet événement. L'Ophophora intermittent. Mass Hysteria. Intermittent. Tagada Jones. Intermittent. Les techniciens lumière, les régisseurs qui ont accueilli les équipes de Slayer et qui ont décidé de ne pas bloquer le concert sont intermittents. Pierre Gattaz. Non, ne siffle pas. C'est le chanteur du groupe Ménès. Pierre Gattaz, pas intermittent. Pas copain avec les intermittents. Non, sois gentil. François Rebsamen, ministre du Travail, de l'Emploi et du Presque Dialogue Social. Je retourne ma veste et j'offre la vaseline. Montfrançonnet, ancien copain des intermittents. Ok, nous voulons comme vous, juste pouvoir payer pour vous loyer. Nous voulons comme vous, juste acheter des biens à nos enfants, acheter des livres à nos enfants. Nous voulons comme vous, amener nos enfants au spectacle, même si c'est pour voir Stromae, c'est pas grave. Ok, nous savons compter, mesdames et messieurs, j'ai un scoop. Un, je veux revenir sur scène. Deux, j'ai un scoop. Nous ne coûtons pas 1 milliard d'euros au pays. Je répète, nous ne coûtons pas 1 milliard d'euros au pays. Nous voulons manger équilibré. Nous ne voulons pas faire le régime. Nous voulons réformer ce régime. Non, sois gentil. Tu sais, François, je suis peut-être le seul en France à encore avoir confiance en toi. Je sais que François est plein d'amour et de compréhension. Et au fond de lui, il a un petit cœur qui bat et il est plein de justice. François, tu respires la justice et je sais que tu ne vas pas signer cet accord qui nous condamne, par exemple, à une fois nos droits ouverts à rester 20. 30, 40, 50, 60 jours sans toucher, sans recevoir un seul euro d'indemnité. Qui dans cette salle serait prêt à rester 1 à 2 mois sans toucher un centime? Ok. Ce mouvement-là, il est fait pour pas seulement se défendre, mais pour défendre tout le monde. Cet accord touche des intérimaires, des chômeurs et des précaires. Il y a 90 grévistes qui ont démarré justement une grève au printemps des comédiens. Ces gens-là s'assoient sur 200 heures de travail. Autant dire que ces 100 personnes plus d'autres en France sont en train de paumer leur statut, mettre en péril leur équilibre financier pour nous et pour tous les gars qui sont là, parce que j'imagine qu'il n'y a pas que des gueules de banquiers ici. Et bien entendu, vous l'avez compris, nous ne sommes qu'amour. Et justice for all. Au concert.